Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer quelques petites astuces en colo et en cel shading. Pour certains d'entre vous, je vais rien vous apprendre, ça c'est clair et net. C'est juste que je reçois beaucoup de demandes en ce qui concerne ces techniques et comme il y a plusieurs façons de faire, je préfère vous le montrer en vidéo. Ces astuces ils servent de guide en quelque sorte, parce qu'au final vous allez seulement utiliser les techniques qui vous semblent utiles et surtout vous utiliserez la technique auquel vous vous sentez le plus à l'aise, n'est-ce pas? Et donc pour le line, c'est pas la peine que je refasse une vidéo là-dessus parce que il suffit de cliquer dessus et j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Hein. Et donc on va utiliser un qui est déjà tout fait. Et en effet, c'est bien Toph Beifong du dessin animé Avatar hein, que je kiffe à mort. Très objectif évidemment. Et pour commencer, je vous rappelle aussi que j'utilise une tablette Wacom et c'est une Intuos 4 taille M. Le logiciel, c'est Photoshop CS6. J'ai pas eu le temps de m'adapter vraiment à ce logiciel parce que j'ai tout juste de l'installer et faut que je retrouve mes vieilles habitudes. Et en plus, c'est tout en anglais, vous voyez, alors que d'habitude, je le fais surtout en français. Mais c'est pas grave, quand on n'a pas le choix, on fait avec. Il y a deux méthodes que j'utilise assez souvent. Il y a la méthode bourrine et la méthode un peu moins bourrine. Alors la bourrine, on va commencer tout de suite parce que j'ai plus beaucoup de temps. Voilà, pour commencer, il faut un aplat sur un calque. Et en fait, ce que je vais faire, c'est sélectionner cet aplat. Je vais utiliser la pipette pour la couleur. Et ensuite, je vais tendre vers le foncé. Mais avec un petit peu de rouge quand même, parce que sinon, c'est pas très joli. Voilà. Ensuite, vous faites les ombrages. Là, on va dire que le soleil est à peu près vers là, enfin la source de lumière, quoi. Et il ne vous reste plus qu'à peindre les ombrages. Ouais, j'ai oublié de sélectionner. Bon, enfin bref. J'ai été un petit peu prévoyante parce que je savais que j'allais mettre 1000 ans pour faire ces petits trucs-là. Et en fait, le résultat, ce que ça devrait donner, c'est ça. Vous voyez ? J'ai utilisé 3-4 tons, je crois, pour ce cel shading. Et je vais vous expliquer ce que je veux dire par là au niveau des tons. C'est qu'il y a le ton clair, le ton moyen et le ton foncé. Et parfois, on peut utiliser encore un quatrième ton. Comme par exemple, là, j'ai utilisé un quatrième ton qui est le foncé, très foncé. On peut en utiliser un autre. Mais en fait, c'est pour des techniques... comment dire ? C'est surtout pour des illustrations super élaborées. Là, en fait, on s'en fout un petit peu parce que le dessin, voilà, il n'est pas non plus hyper détaillé. Et voilà. Cette technique a aussi ses problèmes. C'est que si vous essayez de changer d'ambiance, genre coucher de soleil, là, vous voyez, c'est pas très adapté. Et pour retoucher les ombrages, tout ça, pour que ça s'adapte à un coucher de soleil, par exemple, vous allez galérer à mort et ça va être super chiant à retoucher. C'est possible, mais franchement, c'est hyper chiant. Cette technique, je le conseille surtout quand vous faites des petits gags rapides ou si vous faites un dessin tout rapide aussi, mais pas sur des dessins hyper élaborés. Parce que vous voyez, on ne peut pas retoucher grand chose. Hein. Il y a juste ça, c'est sur le même calque et vous voyez, j'enlève le line, c'est tout comme ça. En fait, la solution, ça serait d'utiliser la même technique sinon, mais avec un nouveau calque. Genre là, j'ai mon aplat. Je vais enlever les ombrages que j'ai fait là. Vous faites un nouveau calque en mode normal. Ensuite, vous choisissez l'ombre comme tout à l'heure. Et voilà, vous faites vos ombrages. Là, au moins... Avec ce calque, si vous l'enlevez, il y a toujours moyen de retoucher. Il y a toujours moyen de... Par exemple, pour la couleur, là. Je vais remettre une couleur qui est plus adaptée au fond. Là, le coucher de soleil, on peut tendre vers du violet ou vers du orange. C'est au choix. Là, je vais faire une espèce de violet, on va dire. Là, tout d'un coup, ça me semble un peu plus adapté. Là, c'est vraiment fait à l'arrache. Hein. Je vais essayer de rendre le truc un peu plus clean pour que vous voyez un petit peu.
Normalement j'utilise une sélection, mais là comme j'ai vraiment pas le temps, bah, j'essaie de faire ça rapidement sans sélection. Et après c'est à vous de voir pour le reste. Et en fait là c'est pour la technique on va dire opaque. Si vous voulez une technique plus fine, plus translucide, avec des petits effets sympas, il y a la méthode numéro 2. Donc là pareil, on a un aplat. Et je vais utiliser pour l'ombre un calque en mode multiply, qui est le mode produit en français. Donc en fait, voilà ce que ça donne. Et si je le remets en mode normal, vous verrez qu'en vérité c'est un espèce de gris un peu violet. Parce qu'en mode normal, c'est le mode normal, quoi. Il n'y a pas de changement, pas d'effet particulier. Alors que si vous mettez en mode produit, ça va agir en quelque sorte comme une vitre en verre coloré. Vous voyez ? Si par exemple, j'utilise du rose, là, on va dire au pif, et que je fais ça. Vous voyez, ça agit comme vraiment comme du verre, en fait. Comme du verre coloré. Et c'est ce que j'ai fait pour la peau. Et ce qui est bien aussi, c'est que là, pareil, vous allez pouvoir changer le ton à votre préférence. Voilà. Et c'est très facile. On peut aussi mettre des effets sympas, si on veut. Vous avez qu'à loquer le calque. Et tout ce que je vais peindre là, ou même quand je vais mettre un dégradé comme ça sur ce calque, ça ne va peindre uniquement à l'endroit où j'ai peint l'ombrage. On va tester là, vous allez voir. Ça se voit pas trop. Un violet plus foncé peut-être. Voilà, vous voyez? Donc du coup, ça donne un petit effet assez agréable à l'œil. Mais c'est vraiment à doser, parce que les dégradés, j'en ai vu plein utilisés à tort et à travers. Des fois ça donne des effets dégueulasses ou vraiment vraiment trop bourrin. Faut vraiment y aller doucement. Dans l'idéal, je le verrais plutôt comme ça. Parce que ce que j'ai fait là, c'est n'importe quoi. Ensuite, il y a le calque lumière pour faire le troisième ton. Là, je l'ai mis en mode overlay, qui est en français le mode incrustation. Ça, c'est bien pour faire les petites lumières. Voilà, ça se voit pas trop parce qu'en fait, overlay, c'est assez spécial comme calque. Là, en mode normal, ça donne ça. Moi, on voit que dalle en fait. Alors que si on le met en mode incrustation, ça donne ça. Et en fait, je vais vous montrer un truc, c'est que si je veux faire un espèce d'effet de lumière, on va l'appeler lumière 2, hein, ça peut donner un effet plutôt sympa. Genre comme ça. Là, c'est pas un très bon exemple parce qu'on voit pas très bien. Mais normalement, c'est censé éclairer le dessin. Vous voyez, ça sert vraiment à éclairer. Parce que là, en mode normal, vous voyez que c'est terne. Et en plus, c'est carrément une couleur très opaque. Si vous voulez un truc transparent et lumineux, c'est overlay, incrustation. Ça donne un truc comme ça. Je vais vous montrer quelques exemples sur d'autres dessins. Celui-là. Donc en fait, j'ai utilisé exactement la même technique là. Pour les ombres, j'ai utilisé le mode produit. Et pour la lumière, j'ai utilisé le mode incrustation. Les incrustations, vous voyez là au niveau des cheveux. Et là, le mode produit, c'est pour tous les ombrages que vous voyez là. C'est donc ça qu'on peut faire avec cette technique. Il y a aussi un autre dessin que j'ai utilisé cette technique, c'est celui-là. On voit pas très bien, voilà. Ouais, ça pixelise à mort. Voilà, j'ai utilisé un petit peu d'incrustation là, un peu vers là aussi. Et le mode produit, évidemment, c'était pour les ombrages, enfin, tout tralala. Et au niveau de la première technique, celle que je disais que c'était un peu bourrin et un petit peu opaque, c'est plutôt pour ce genre de dessin que j'ai fait, c'est des petits dessins vite faits en chibi.
Voilà, vous voyez que j'ai utilisé des couleurs pures, aucune retouche, pas d'effet de lumière, pas d'effet d'ombre, ni quoi que ce soit. J'ai choisi moi-même les couleurs, j'ai déposé comme ça sur le calque et ça donne plutôt cet effet-là. Et là aussi, il y en a un autre dans le même genre. Vous voyez, en fait, il n'y a pas grand-chose à comprendre. C'est juste une bonne connaissance des calques et de l'entraînement. Si vous êtes motivé, vous aurez des illustrations finalisées avec une technique qui, en vérité, enfin, en théorie, elle est toute simple. Vous pouvez aussi utiliser d'autres modes de calque parce que, maintenant que j'y pense, je vous ai seulement montré en produit, en normal, en incrustation. Mais essayez de voir les autres. Des fois, ça peut vous donner de très jolis accidents. Et voilà, des trucs assez inattendus qui, en vérité, sont plus jolis que ce que je vous ai montré là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez pu trouver ce que vous cherchez dans cette vidéo. Bossez bien et bon courage, à bientôt.